Cette vidéo explique comment régler la pleine échelle et la plage de sortie 80 mA. L'unité de mesure et la plage d'échelle sont des points de référence pour le cutoff et le seuil d'écoulement. La plage analogique définit la valeur 20 mA de l'écoulement. Pour la série des convertisseurs MV, la procédure sera simple. Appuyez sur Enter pour accéder au menu. Saisissez un code de niveau 3 au plus, puis appuyez sur Enter. Les codes d'accès peuvent être trouvés dans le manuel du convertisseur. Depuis le menu Quick Start, appuyez sur la touche Hot jusqu'à ce que la ligne Main Menu soit en surbrillance, puis appuyez sur la touche Enter. Dans le Main Menu, appuyez sur la flèche droite pour accéder au menu numéro 2 Units, puis appuyez sur Enter. Pour inspecter les types d'unités, faites défiler l'affichage en appuyant sur la flèche droite. Ensuite, appuyez sur Enter pour sélectionner la ligne. Utilisez la flèche haute pour changer les valeurs. Appuyez sur Enter pour sauvegarder. Appuyez longtemps sur Enter pour quitter et retourner au Main Menu. Allez au menu 3 Scales. Ensuite, appuyez sur Enter pour définir l'échelle pleine. Sélectionnez la ligne FS1 et appuyez sur Enter. Répétez l'appui sur la flèche haute pour sélectionner l'unité de mesure et les valeurs. Déplacez-vous entre les chiffres en appuyant brièvement sur la flèche droite. Appuyez sur Enter pour enregistrer les valeurs. Appuyez longtemps sur Enter pour retourner au Main Menu. Pour modifier l'échelle de la 80 mA, allez au menu Outputs et appuyez sur Enter. Allez à la ligne A1S et appuyez sur Enter. Réglez la valeur en utilisant la flèche haute et droite. Sauvegardez la valeur en appuyant sur Enter. Répétez des longs appuis sur Enter pour revenir à l'affichage initial et voir le résultat des modifications.